L'accent d'Aleb Ambeto Kosa, qualifié par les uns d'axe de la démocratie et par d'autres d'axe du mal, a une nouvelle dénomination. Le Premier ministre Kessoï Fofana, lors du lancement lundi du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes, Introga, a appelé la zone d'axe du désespoir. Le chef du gouvernement a invité l'ensemble des jeunes de Guinée à s'approprier du projet Integra, dont l'objectif général est de contribuer à la prévention et la limitation de la migration irrégulière, de permettre la réintégration des migrants de retour et l'insertion socio-professionnelle durable de la couche juvénile. Le projet Introga est une ambition commune et partagée pour la jeunesse de notre pays. Nous devons le réussir ensemble. Il ne doit pas y avoir une jeunesse exclue, a laissé entendre Kessoï Fofana. Nous devons réussir ce pari pour une Guinée inclusive. Il n'y a pas d'axe de mal. J'appelle ça l'axe du désespoir, a indiqué le Premier ministre en faisant référence à la zone Andaleb Ambeto Kosa, foyer de tension pendant les manifestations politiques. Il affirme qu'il revient aux gouvernants et leaders politiques de créer les conditions pour que ces jeunes qui sont dans le désespoir croient en l'avenir de leur pays et croient que cet avenir, c'est ici en Guinée, pas dans des aventures périlleuses. Le numéro 1 du gouvernement finit par lancer un appel pressant aux jeunes en leur demandant saisir l'opportunité qu'offre le projet Integra pour renforcer leurs compétences, apprendre de nouveaux métiers pour contribuer à créer les richesses dans le pays. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.